pourrais discuter sur la journée mondiale photographie, sur thème exposition BCLV haïtien, et puis tout, nous pourrais parler causer à fa. Et Raphaël Castera, en tant que mentor qui représente le narratif haïtien dans ce qui concerne prendre une série de bandes d'images qui sont intéressantes, qui traduit beauté haïtienne. Comment, face avec tout problème qui est là, nous-mêmes, comme photographes Kabili, avec l'autre photographe qui l'a déjà, nous capables de travailler, ou bien tout qui concerne ta bande, nous sommes capables de construire plus bien, un plus bon narratif pour haïtien dans ce qui concerne l'image. Personnellement, je suis un photographe qui était très businessman ni très commerçant avec photographie. Il a fait photographie en vraiment par amour. Et il a fait très désordonné. Ça veut dire que je fais photo juste parce que moi aimais ça m'a fait. Même pas une bande d'images et puis il me dit bon, je m'a fait telle photo pour que quelque part. Pourquoi on aime le style de photo ça? Et puis moi. Comment on a dit ça? Que moi, je classe, je me dis bon, je fais des photos d'oiseaux, je fais des photos papillons, et je fais des photos qui intéressent les clients. Parce que là, je fais des photos pour Almanac à certaines banques, ce que moi, toujours fait. Mais parce que nous avons besoin. Pas faire un genre, faire pas un plus ordonné et faire des banques d'images que nous connaissons, que les Haïtiens ne peuvent pas utiliser et même nous qui allons vers l'étranger et pour nous vendre l'image, non, parce que il y a des gros, il y a un stock photo qui vendent toute qualité photo, par exemple, toute graphique ici, c'est un stock photo que vous achetez. Et dépendamment de résolution, il y en a 15 dollars, il y en a 50, il y en a 100. Donc, si on fait photo qui cavane et considérer que faut nous vraiment faire avec un peu de méthode. Et je dis à ce 19 août, journée mondiale de la photographie. Bon, pour moi-même, ça, c'est un grand bagage. Parce que je dis à nous une chance pour une exposition en dedans de ça. Parce que c'est pas une date qui est un pour commémorer, mais nous-mêmes, avec AFA, nous commémorons. AFA, c'est l'association des femmes photographes d'Haïti. C'est la première association des femmes photographes dans tout le Caraïbe. Donc en Haïti et dans tout le Caraïbe. Donc ça a toujours fait du bien, ça n'a pas donné. AFA, je dis à des chances d'organiser une exposition. Donc nous sommes deuxième exposition. Parce que dans le dernier temps lancé, nous avons fait une exposition qui va être aussi grandiose. Mais dans le cadre du monde de la photographie, nous avons montré une facette dans Haïti. Une facette, c'est BCDV en Haïti. Donc on est capable de dire satisfaction, un sentiment de joie, satisfait. Parce que le public l'a répondu. Parce que nous avons pensé que tout le monde a répondu comme ça. Donc le public l'a répondu, vous pouvez garder FBW. Il y a des travaux dans la thématique. Ça. C'est pas seulement sur la thématique, ça au travail, mais nous choisi de mettre la thématique ça en lieu. Le travail, ça prend nous environ 2 mois pour nous préparer. Pour prendre l'image, il prend un petit temps. Et puis, grand plaisir, c'est parce que nous, jeune Raphaël Castra, Madame Castra, qui sont photographes, qui a fait des photos depuis à 18 ans, donc qui dans les soixantaines. Donc, nous avons réussi à joindre pour venir participer avec nous. Et de faire ça avec joie. Donc, le travail, ça n'est pas facile. Nous travaillons sur ça pendant 2 mois. Mesdames, nous avons une image, collecté une image. Il y a une image qui vient nous dire non, ça ne va pas exposer. Nous sommes obligés à le retravailler. Nous choisissons le thème, ça, c'est parce que nous avons un travail dans la société, que la société n'a pas d'importance. Et pourtant, c'est des piliers qui viennent de la société. J'aime bien dire là, on met ces cachages, je dis à papa le travail, monde qui a vécu au jour le jour là. Donc, chien là, vous étiez à machine chabon, obligé pour la rue. Et donc, les gens qui sont dans la rue, ils montrent la rue à la vie. Ça a pu me faire peur ou pas y trop peur. Parce que lorsqu'ils viennent dans la rue, on est vide. Donc, la peur là amplifie. Il était toujours dit au monde ça. Téléphone n'est capable. Plus gros téléphone dans le monde. Mais travail, un photographe professionnel, tu vas me voyager.
ou qu'à toujours être fait une belle image, mais composer une image, ça c'est l'autre réalité. C'est ça que je vous dis, mais après 100 ans, photographe là, pour jouer une place. Parce que vous avez toujours un téléphone, on fait belles photos. Mais pour nous, là, est-ce que la composition image comme ça vous fait? Allons, il fait, est-ce qu'on connaît qui ça qui clé pour prendre l'event? Donc, vous avez toujours besoin de photographes. Tout sont dans des. Mon enfant, en fait, il n'a pas besoin d'accord faire toutes les photos avec le téléphone. D'ailleurs, il a toujours besoin de photos imprimées. D'ailleurs, il a toujours besoin de retouches. Donc, il a toujours besoin de ça en fait. Donc, il a toujours besoin de photographes là. Donc, toujours une activité. Événements, spectacles, nous avons toujours cherché, moi pour mesdames, nous allons là. Parce que toujours une activité dans le pays. On téléphone pas qu'à j'en couvrir un event. Quand on téléphone capable de faire une vidéo, non, il n'y a pas qu'à couvrir en photographie. Ça, c'est sûr. Donc, toujours une activité, nous cherchons une activité à faire pour mesdames et messieurs. Dis-nous, en tant que femme qui a fait photo, dis-nous, vous connaissez dans quel pays nous vivons. Tout ça à faire, il est difficile. En tant que femme, dis-nous, qui est la plus grande difficulté à recevoir dans le domaine photo? Donc, la plus grande difficulté en tant que femme, nous pensons pour les garçons, c'est le problème de sécurité. Parce qu'il y a des activités qui ont fait dans la nuit, obligé de ne pas aller. Parce qu'on est obligé de ne pas aller dans la rue. Donc, de vous dans la rue, allez, sortez tout le monde. Parce que bon, une sécurité cap taillée dans le pays. Donc, nous exposé à tout genre de bagailles, de mauvais bagailles qui arrivent à nous, de volé le matériel. Donc, de vous quitter ta bon bon en cours. Donc, c'est une bagaille qui fait que même activité culturelle yo diminue tout. Donc, on a maintenant un centre culturel à 8h du soir, 9h du soir, pour qu'on n'a pas qu'à faire, pour qu'on n'a pas qu'à faire net, pour question d'insécurité. Parce que c'est un plus gros handicap pour le moment. Et c'est un handicap qui fait que les gens nous prennent en photo. Tout. Parce que vous pensez, comme vous pouvez le faire avec, ou du moins, vous pouvez mettre une son, l'autre affiche, là, les gens photo, mettons un grade en balle qui passe. C'est un plus gros handicap pour le moment. Et moi, je suis anthropologue, sociologue de formation. C'est à qui ont un sentiment de qui vraiment extraordinaire, moi participer à l'exposition ça, puisque moi c'est un jeune photographe et moi gradué en avril 2024, donc moi j'ai une chance de participer dans l'exposition ça que AFAP et que tout moi c'est membre AFAP. Formation caméra me chercher vim et puis moi intégré AFAP, moi inscrit, moi présenté tout ça, ils ont demandé bio et puis moi intégré et puis me participer dans formation en tant que photographe. Il y a des gens qui ont 80 ans, malgré qu'il fait tout, il y a 50 ans depuis la fête à la fête, mais il n'y a pas un support pour côté de l'État pour vivre, pour finir de vivre cette année. Dans notre pays, nous avons un grand monde qui a une maison de retraite qui l'a pour eux, nous avons une subvention de l'État, mais en Haïti, oui, à l'âge de mon meilleur, toujours après travail qui salsa, même si l'autre est dans la vie, il n'y a pas de ce métier, mais ça, ok, ça, ouais, vraiment, non, famille, il est supposé la caille pour famille, la occuper de lui, mais ouais, c'est lui-même à l'âge, à la formation, parce que ça veut dire qu'il va être bon côté, autorité à la vidéo, pour qu'il ait qu'à vivre, restant qu'il était au bien, dans un confort qui a fait le tout là. Donc c'est un photo ça traduit résilience, il traduit force à essayer pour le travail, pour quoi le travail, ouais on dit grand monde malgré l'âge, ouais la travail toujours la plus ton gros sac fatras. Les gars disent grand monde a ramassé bouteille, assiette carton, ouais force rien pour la ramasser fatras juste pour l'occuper, tête pour l'occuper famille.